Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. C'est une carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Tout d'abord, je me présente, hein. Je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2 ans et je vous propose comme ça de temps en temps des petites vidéos pour réaliser des cartes, mais vraiment toutes simples. Aujourd'hui, on va réaliser une carte sur ce modèle-ci. Donc, celle-ci, elle est réalisée sur une base de carte épinette enivrante. Le centre de la carte, le motif, c'est du papier Eden toujours. J'ai imposé, les découpes sont donc des poinçons assortis à cette collection Eden. J'ai ici apposé des flocons de dorure qu'on va refaire d'ailleurs ici aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va la faire dans un ton différent. Donc, je vous propose une base de cartes sur une teinte de horizon de bruyère. Et pour changer un petit peu des collections de Noël, aujourd'hui, on va scraper un petit peu des fleurs et du printemps. Voilà, cette collection donc de papier, elle s'appelle Croquis de jardin et elle est disponible au catalogue annuel 2021-2022. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a différents papiers. Donc, il y a celui-ci qui est plus dans des tons de vert et de cidre à la cannelle. Il y en a avec un petit peu plus de bleu. Ici, on a du fleur de cerisier davantage. Celui-ci, c'est macaron à la menthe et toujours horizon de bruyère. Voilà, donc les coloris sont assez variés dans cette collection et ce sont que des fleurs en fait. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi celui-ci où on retrouve du fleur de cerisier, du mystérieuse plume, l'horizon de bruyère. Doit y avoir du narcisse d'hélice aussi, le jaune. Donc voilà, aujourd'hui on va travailler avec ce papier. Allez, c'est parti! Donc, ma base de cartes, c'est toujours la même. C'est une carte qui fait 21 cm par 14,85. Hop. Et je coupe. Donc, j'ai 21 cm par 14,85 et je vais donc plier à la moitié des 21 cm. Donc, 10 cm et demi. Et voilà ma base de cartes. Je prends mon plioir à noce et je marque bien le pli. Voilà, donc sur cette carte, je vais donc prendre une découpe donc qui est disponible dans la collection Eden, ce sont les poinçons pour réaliser ces découpes. Donc, le poinçon, c'est celui-ci. Je prends donc un morceau de papier blanc simple que je vais découper. Donc, je vais d'abord prendre un morceau qui doit faire la longueur de celui-ci, donc 14,85. Je vais donc mettre 14,85. Sachant que le morceau du papier design au milieu, celui-ci, il mesure 5 cm. Donc, il faut que je laisse un espace de au moins 5 cm. Allez,
je vais faire ma première découpe. Donc, je prends la machine. Je prends mon poinçon et je le positionne sur ma machine. Je vais le scotcher pour qu'il ne bouge pas trop. Voilà, on va faire une première découpe pour le haut du motif central. Voilà ce que l'on obtient. Et je vais donc faire la deuxième découpe. Je vais déjà enlever les restes de papier. Reste toujours un petit peu. On en reste ici. Voilà. Et je vais faire ma deuxième découpe donc. Ici, et je vais laisser donc les un espace pour coller mon papier design. Donc 5 cm, j'ai dit. Allez, je marque d'un petit coup de crayon. Je reprends ma Big Shot et je vais placer mon poinçon par ici. Bon, il faut que je le scotche parce qu'il ne veut pas tenir en place. Hop, je regarde quand même. Donc. Voilà, et je refais ma seconde découpe. Bon, mon scotch ne tient plus, forcément. Alors, on va reprendre ici. Et je recommence. Voilà. Et voilà. Je regarde. On est pas mal. Allez, on repasse dans la machine.
Voilà donc ma découpe. Je fais un petit peu de machine. Je nettoie un petit peu tout ça. Voilà donc maintenant, je vais m'occuper à découper mon motif avec mon papier et design. Alors, on a vu qu'il me fallait donc là j'ai 6 cm entre les deux. Donc mon papier, je vais le couper à 5,5. 5,5 cm. Et je vais mettre une longueur 14,85. Et je retoucherai après pour les longueurs. Hop, vous voyez, ça nous donne ceci. Je pourrais mettre un petit peu moins que 5,5. Je vais mettre 5,3. Sinon, on ne verra pas la dorure. Voilà, là, ça sera mieux. Donc, maintenant, on va utiliser les petits flocons de dorure. Pour ça, j'ai besoin de ma Versama. Pas du tout. Je vous dis des bêtises. Il me faut du scotch. Double facile. La Versama, c'est quand on l'utilise avec la colle, en fait. Donc, je prends mon scotch double face que je vais positionner ici. Et je vais tout simplement passer mes flocons de dorure dessus. Ils vont se coller automatiquement sur mon papier, sur mon scotch. Alors, je prends mon scotch et je vais le couler, bien sûr, le plus droit possible. Et je suis pour le coup les petits pointillés. Hop. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais bien appuyer avec mon pliroir pour que la colle adhère bien. Et je vais couper sur les morceaux qui sont en trop. Ensuite, j'enlève mon scotch, la pellicule qui protège. Je prends mes flocons de dorure. Je vais mettre un petit papier dessous. Parce que c'est quand même assez volatile. Ce genre de choses. Hop, je prends mes flocons. Ça colle bien par les doigts, comme vous pouvez constater. Et tout simplement, j'étale mes flocons
sur mon scotch double face. Oui, ça a l'air bien. À mes doigts. Vous voyez, voilà un petit peu ce que l'on obtient. On récupère le surplus et je vais faire pareil de l'autre côté. On va régler les bords. J'enlève ma petite pellicule et je vais venir coller à nouveau mes flocons. Vous voyez qu'il se colle très très bien. Ensuite, j'essaie de récupérer le surplus parce que j'en ai partout systématiquement. Vous me voyez, ça vole très bien. Et je referme ma boîte aussitôt pour éviter les accidents. Donc ces flocons, en fait, on les utilise ou bien comme ceci avec du scotch double face, ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, on tamponne avec de la Versamark. Donc c'est une encre qui colle et on appose dessus, après on chauffe, on appose cette poudre collante et après, dans la deuxième partie, on pose les flocons de dorure. Et le rendu est identique. Hop, voilà pour ça. Voilà, donc, ici, vous voyez, je vais pouvoir apposer ma petite bordure avec mon papier design. Et ça nous fait un petit effet brillant tout autour, que j'apprécie énormément et je trouve que ça fait une petite carte très très jolie. Tout simple. Donc je vais pouvoir coller tout ça. Hop, je positionne la colle. Voilà. Et je vais positionner tout ça sur mon petit travail. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Après, on réajuste. Au niveau des découpes, si c'est pas parfait. Vous voyez, comme là, par exemple, la découpe n'est pas parfaite. Donc, je vais réajuster être assez droite. Et voilà. Donc, ma base de carte, elle est ici.
et je peux venir la positionner à ce niveau-là. Voilà, je vais donc la coller au milieu. Vous voyez, c'est une petite carte très simple à réaliser. Assez rapide aussi. Hop, je prends. Voilà. Oui. Deux versions. Voilà, je vais maintenant réaliser la petite étiquette centrale avec un petit message. Alors, pour le petit message, j'ai choisi. Donc, toujours dans la collection Eden, j'ai dit que j'allais mettre ce petit message câlin et tendresse. Et ce petit message, je vais le découper avec les poinçons. Couture tendre douceur et je choisis simple chantier là-dedans. J'ai choisi celui-ci. Et je vais donc vous montrer comment faire un petit peu de relief sur la sur le message en fait. Bon, peut-être que vous ne voyez pas trop à l'écran, mais il y a un petit peu de relief. Je vous montre ça tout de suite. Donc je vais tamponner mon message. Alors sur celui-ci, je vais tamponner dans du vert. Là, je vais le faire dans du blanc. Je prends mon petit message. Je vais le prendre avec la machine. Je vais changer de feuille parce qu'elle n'est pas trop propre. C'est pas bien. Bon. Allez, mon petit morceau de papier blanc. Hop, mon tampon. Je le positionne par ici. Voilà. Donc, je vais reprendre ma Versamark. Je vais prendre donc mon encreur Horizon de Bruyère qui est donc coordonné à mon fond de carte et je vais le tamponner. Voilà. Je nettoie ensuite mon tampon. Je prends mon encre transparente. Je peux le fermer. Je prends ma Versamark. Donc, mon encre colle. Je tamponne. Et je vais retamponner sur mon message déjà ancré. Je prends ma poudre à embosser transparente. Je la verse sur mon petit message que je viens de tamponner. Hop, je fais tomber le surplus.
Et je vais donc faire cuire tout ça à l'aide de mon pistolet chauffant. Vous allez avoir un petit peu de bruit, je suis désolée. Et je vous montre. Donc voilà, on obtient un petit message aux couleurs de la carte qui est embossé et en plus, il est un petit peu en relief. Un petit peu. Voilà, donc je récupère ma poudre à embosser transparente. Je nettoierai tout à l'heure et je vais donc prendre ma petite découpe et découper mon message. Je reprends ma machine. Je positionne tout ça. Je vais remettre un petit scotch. Je ne sais pas où ils sont partis. Alors, on positionne. Comme ceci. Voilà. Et je découpe. Et voilà, mon petit message est parfaitement tamponné et parfaitement découpé. Alors, je vais mettre la machine un peu plus loin. Voilà, voilà. Et je vais donc coller l'ensemble en 3D avec mes petits morceaux de colle. Ce sont des mousses 3D pour mettre un petit peu de relief à la carte. On positionne un autre milieu. Voilà, on enlève la petite pellicule. Et on colle notre petite étiquette sur la carte. Voilà, notre carte est presque terminée. Il manque juste un petit peu de déco. Donc, je vais rajouter des petits gemmes, des petites perles. Donc, j'ai choisi ces petites perles-là. Donc, bon, on n'a pas le coloris, mais ce sont des coloris dans des teintes de mauve qui vont très bien passer avec notre carte. Je prends mon outil touche à tout. Et je vais choisir celle-ci. Vous voyez, j'ai 4 coloris différents. J'ai du pétale rose, du fleur de cerisier, j'ai du parme petit clair, j'ai du blanc grisé et du mauve. Et donc je vais mettre du mauve pour qu'on les voit un petit peu. Les autres sont un peu pâles. Et on les colle un petit peu au hasard.
Et une petite dernière que je vais positionner ici. Voilà, voilà. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, vous avez donc deux cartes sur la même base, mais avec un rendu tout à fait différent. Je pense que le coloris y fait beaucoup. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous appréciez. Donc voilà, elle est terminée. Je vous souhaite donc une très belle journée. J'espère que la petite carte vous a plu, que vous la reproduirez bien entendu. Et je vous dis bye bye et à très bientôt.